Le titre de l'après-midi de lundi, un lundi spécial pour les femmes, engagé à l'extérieur. Une femme engagée pour l'extérieur. Engagé à l'excellence, c'est ça notre vie. Regardons Proverbe 4. Proverbe 4. Amen. Écoute-moi, fils. Écoute-moi, mon fils. Écoute, mon fils. Yoka, moi, nanangai. Écoute. Mon fils. Moi, nanangai. Et reçois parole. Pe yamba maloba nangai. Dieu t'appelle d'abord à l'écoute. Tambe asako bienga yo nanu na ko yoka. On reçoit une parole qu'on a écoutée. Ba simisaka liloba oyo ba yoki. Asay. Ofanti. Pas fini la lecture. Garde, avance. Écouter ici, c'est pas entendre. Awa, koyoka pe kosimbi sawa ezali koyoka ya pambate. N'importe qui peut entendre. Motonyo sa koyoka koyoka. Mais écouter, se réserver à ceux sont appelés pratiques. Oyoka ya kosimbisa ma e bienga mi na ba oyo ba sengeli ko salela. Dis écoute. Yoka. Ma fille. Mwananga moi. Et reçois ce que tu as écouté. Yamba oyo yoki. Ce que tu as écouté. Oyo yoki wana. Parole. Ensuite, quand tu auras écouté et reçu, la lecture continue en disant, et les années de ma vie sont dites. Si tu veux voir les années de ta vie, tu peux. Soko lingi komona bongo mibu ya nayo efulisama. Pour pas seulement entendre parler de Jésus. Esengelika otika na koyoka ka kolobaka na tina na Yesu te. Il faut avancer en écoutant. Bongo kokota penza na mozindo pona kosimba kobatela. Afin de recevoir. Pona kokanga. Recevoir la parole ici. Koyamba liloba a. C'est recevoir les oracles de la parole. Ezali bongo koyamba bongo mabomba mia liloba. Recevoir la révélation de la parole. Oza koyamba bongo emoniseli ya liloba. Et chaque personne. Moto nyonso. N'entend pas de la même façon. C'est-à-dire, il n'écoute pas aussi de la même, on n'écoute pas tous de la même façon. Et on ne reçoit pas la parole de la même façon. On n'interprète pas la parole de la même façon. On pratique pas non plus la parole de la même façon. Mais la parole se déploie sur tout le monde. Ça dépend de la personne qui poursuit l'excellence. Ici, la parole de Dieu
est au centre de l'excellence. Si tu veux avoir l'excellence dans ton année, nous sommes encore au début et les choses commencent tout doucement et lentement. Vous avez même vu aujourd'hui, la journée a commencé tout doucement, lentement, avec lourdeur. Laisse que la parole de Dieu démarre ta vie. Je souhaite que tu démarres et que ton départ soit boosté par la parole, accompagné par la parole, que tu sois géré par la parole de Dieu, que l'excellence dans ton année soit relative ou bien de source parole de Dieu. Tu réussiras. Tu seras une femme excellente. Tu auras de l'excellence dans tout ce que tu entreprendras. Si la parole de Dieu est au centre de ton excellence, parce que c'est attaché au jour de ton année, si la parole de Dieu est attachée au jour de mon année, donne-moi amen. La parole de Dieu doit être un accompagnateur. Mais il faut savoir une chose. Quel que soit le mode de vie que tu choisis, dès le départ, quel que soit le mode de vie que tu choisis, il y a des conséquences. Qu'importe le mode de vie, parce qu'il n'y en a que deux. Où tu démarres dans l'écoute de la parole, la réception de la parole, la mise en pratique de ce que tu as reçu, il y a des conséquences liées à ça. Où tu démarres hors la parole de Dieu, comme tu le souhaites vivre, comme ce que tu veux avoir, comme ta façon de voir les choses, il y a aussi des conséquences. Chaque mot de vie. Avec Christ ou sans Christ. En Christ ou en dehors de Christ. Regardons Proverbe 24, 30 à 31. Je parle d'une femme prête à démarrer dans l'excellence. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 24:30. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Qu'est-ce qu'on trouve à côté d'un champ d'un paresseux? Qu'est-ce qu'on trouve dans le champ d'un paresseux? Qu'est-ce qu'on trouve dans la vigne? Dans le champ aussi, vigne, c'est champ ou jardin d'un homme dépourvu, fatigué, un homme dépourvu, c'est un homme qui ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on trouve dans le foyer d'une femme dépourvue?
une femme qui est tout le temps fatiguée. Une femme qui croit qu'elle est fatiguée alors qu'elle peut faire quelque chose. Une femme qui prend la fatigue mettre au-dessus d'elle. C'est une femme paresseuse. On dit qu'est-ce qu'on trouve dans le champ d'une femme paresseuse. Qu'est-ce qu'on trouve? Le champ ici, c'est un foyer, c'est une famille. C'est une famille, c'est là où tu as tes entreprises. Ta chambre à coucher. Le salon de votre maison. C'est vrai que vous, toi, tu n'es pas la seule femme dans cette maison-là, mais bibliquement, Dieu te considère l'unique femme de cette maison. Lorsque Dieu regarde votre foyer, votre maison, votre environnement, c'est toi que Dieu regarde. Et maintenant, la Bible dit, qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on passera? Lorsqu'on passera dans ta chambre, on trouvera quoi? Maintenant la même. Pense à ta chambre là où tu as laissé. Regarde là où tu as laissé. Si on passe là-bas maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver? Un bazar absolu. Vrai ou faux? Non, réponds-moi, vrai ou faux? C'est la Bible qui dit, si aujourd'hui on passe dans ta chambre, dans ton intimité, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Alléluia. Parole de Dieu, Anna Songi. Amen, amen. Parole de Dieu n'a jamais rien oublié. Hein? Ça là, il regarde. Tout à la nyoso na. Tu pensais qu'on parlait des champs. Toi, tu as déjà fait champ. Le champ est où? C'est ta chambre là. C'est ta maison là. C'est là où tu vends. Ton quartier. Si on passe dans la vie de celle qui espère avoir de l'excellence. Qu'est-ce qu'on trouve? Donne-moi, mais est-ce que c'est intéressant? Hein? Il dit, j'ai passé près de la vie d'une femme. Et on précise, c'est paresseuse. Dépourvu de sens. Et voici ce que j'ai vu, les épines. Les épines croissaient partout. Si on rentre dans la chambre, départ même on a laissé en gauche à droite sale cœur. Toki ba koti bongo na ya mwasi moko alingi ne bandeli. Ozo yo kabongo kaleso na yo asukola ki ya boy ko sukola kaleso atiki kula. Tu dois démarrer ton année dans la propriété. O bongi soza la peto. Tu dois être une femme excellente. La parole de Dieu va te, doit te nettoyer. Tu dois écouter et recevoir la parole. Allez nettoyer tous tes caleçons, nettoyer tes soutiens et enlever les soutiens qui sont déjà déchirés, enlever les caleçons qui sont déjà déchirés et l'élastique fini là, les caleçons de côté, s'il faut enlever ça,
Donne-moi amen. Amen. Ne me regarde pas comme ça, c'est la renommée de femme. Kaliso yinda la katikati makolo bwaka yango. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. On démarre une nouvelle année avec propriété. Et une chose est vraie. Si tu attends à être propre par ton mari, tu seras découragé. Il ne regardera même pas tes soutiens ni tes sous-vêtements. Il s'en fout de ça. Fais-toi propre. Car l'excellence, hein, c'est à toi. C'est pas à ton ami. C'est pas à ton voisin. Ni aux autres. N'accuse pas les autres en ce qui concerne l'excellence personnelle. Sois excellente. Je parle à quelqu'un. Sois excellent. Sois propre. On trouve quoi? Passe à ton salon. Comme c'est pas toi. Zungu etiki cuisine et comme le cola kiti ao. Moi na mutasali, batala yo mama. Alléluia. Il y a des petits points. C'est le moi mitoté. Dans les. Oui, peu pesa. Tomba to lui même ya moi. Kobongisa otia eloko esenge nesika na yango petit tes sous-vêtements o ezali mwana ili mitano na yo o bengi moto abongisa mabaya yi na kati na suku na bongisi. Tu peux appeler un électricien pour changer l'ampoule dans la chambre, il trouvera aucun caleçon. Toi, quand tu appelles un technicien, tu dois courir dans ta chambre. Non. Non. Ces choses-là doivent avoir un coffret. Donne-moi un mère. Amen. Ou bien tu as sacoche que tu mets quelque part avec les chaînes et tout. Quand tu as repassé tes dessous, tu les classes là-bas et tu fermes. Quand tu voudras mettre un dessous, tu ouvres, tu prends le dessous, tu mets le dessous sale dans l'autre poche là-bas. Le jour où tu trouveras le temps pour les laver, puisque tu en as beaucoup, ça peut te faire un mois. Ça dégage dans le sacoche, ça sort pas. L'odeur est retenue par le sacoche. Tu as eu des petits problèmes. Un premier rendez-vous, tu vas avec caleçon noir déchiré. Premier rendez-vous, on va en quoi? Bongo, bongo, oh, en blanc. Kende bongo peto. Eh, tu l'as quoi, c'est tout peto. Normal, bro. Eh, tu t'es peto, caleçon peto. Même si on n'a pas du parfum, mais les équipements là, peuvent activer. Donne-moi mais. Amen. Le nom de quoi? Prêche quoi? Ah, Wande Zaba Mama. Prêche le Saint. Papa la biso azalaka mama mokola lundi. Amen. Comment on papa telle loi a commis maman. Alléluia. Pas avoir honte de personne piqué. Accent. C'est moi. Moto kaka ya koki ko tia yo tonga penze ko longolo mbindo. Ezali papa. Maman parle, tu prends ça un peu. Hein. Moi je pars, tu dis, ah, oh, ça c'est un homme petit. Comme il sonne.
Donne-moi amen. Amen. Alors, on dit que dans la maison là, on trouve un bazar. On trouve les épines. Tu sais, les épines, ça met mal à l'aise. Ah, les épines, ça met mal à l'aise dans le champ. Nous qui avons grandi au village, là, on marche en sursaut comme ça. On choisit là où mettre pied. Parce que ce champ-là, depuis qu'on l'a créé, on ne l'a jamais entretenu. Depuis que tu as eu foyer là, depuis que toi tu as eu foyer, tu peux maintenant mettre caleçon comme tu veux. Non. C'est toujours en fonction de l'excellence. L'excellence opérationnelle. Il faut que tu sois excellent. Pour l'excellence opérationnelle, veut dire l'excellence pour toutes les opéras. Pour toutes les opérations. Tu comprends là où je veux en venir, mais je ne veux pas arriver. Tu comprends là où je veux en venir. Quand je parle de toutes les opérations, mais je ne veux pas arriver là-bas. Mais toi, comprends seulement que même dans cette opération que tu connais là, il faut être excellent. Maman, suis-moi ici. Excellent. Dans les opérations. Même les opérations de lit. Même la nourriture à préparer. Tu ne dois pas faire dépasser le sel dans la nourriture parce que tu es paresseuse. Ce sont les paresseuses qui donnent leur attention aux films et aux séries et négligent les choses qui alimentent le feu du foyer, les choses qui alimentent le feu de la famille, les opérations saintes que la femme qui me regarde ici n'arrive pas à faire. Être propre de son dessous, son propre dessous, c'est un problème. Il faut que son mari parle. Attention arrive. Bongo. Moi aussi, je suis orateur. Mayanga ni ya ba mama ezo ya. Bongo, papa na biso azaka mama ya yambo. Ye pe akozala moté. Donne-moi amen, donne amen. Beta tami loloko mama na ngai. Il dit, alors, j'ai regardé attentivement le champ en question. Na moni na bokebi nyoso elanga yango. Ah. J'ai tiré l'instruction de ce que j'ai vu. J'ai tiré l'instruction. Ça veut dire quoi? C'est un dégoût. Yonde otie oloni bongo kozanga pour sa moko boy. Prochain. Na kati ya motema ya moto aza pene na yo. Physiquement, il peut pas exprimer ça. Bongo na nzoto akoko le bango te kati na ye na motema. Ça s'exprime par des gestes. Parce que son cœur n'est plus attaché à ce champ-là. Parce qu'il a tiré l'instruction de ce qu'il a. Quand tu ne nettoies pas ton truc là, ça déploie un dégoût. Plus que tu es enceinte là, tu ne peux plus être propre. Enceinte ou pas, le truc là doit être propre. Parce que à n'importe quel moment, on peut visiter le champ. Mais il ne faut pas qu'on trouve les épines. Sinon, on va tirer des leçons.
Par rapport à ce qu'on a vu dedans. C'est ce qu'on a vu dedans, il y a des morpions. Des pertes riches, ce n'est pas noir, ce n'est pas blanche. Parce qu'on a marché toute la journée. Et on pissait comme on veut. Et on ne nettoie pas. Et ça crée un bazar. C'est un champ avec. Acclame pour Jésus. Le désordre, c'est quoi? Le désordre, c'est une conséquence liée à la médiocrité. Et la médiocrité, c'est une conséquence liée à la négligence. Un mouchoir qui coûte 100 francs pour ta propriété femme, le sacoche que tu t'entraînes avec toi là tous les jours, tu mets quoi dedans? Ton sacoche que tu as tous les jours là. Même ceux qui me suivent, les sacoches que vous avez, toute femme du monde a un sacoche. Vrai ou faux? Qu'est-ce que vous mettez? Premièrement, on doit avoir mouchoir à jeter. Parce qu'on ne sait pas où le besoin peut arriver. Dès que tu as fait ta libérée là, mouchoir doit immédiatement passer. Bon, je quitte la chambre, je viens au salon. Quand tu veux qu'on parle de la cuisine là. Même dans la maintenant là où nous sommes. Si on passe dans ce champ là, qu'est-ce qu'on va voir? La marmite que tu as préparé le foufou depuis 11 ans. Non, parlons vrai. Le morceau de bois. Prépare le fou. Marmite. Et avec un gobelet. Donc tu as le fou. Prêt ou faux? Non. Ah, déjà, après. Les mouches. La mouche. Il y a solo. La plaie qui dé. Azakolanda poto ezakolumbawan. Une sœur Osia. Osia bon. Solo solo amabewana. Donc si tu vois une mouche à côté. Ndindi soka komi pene. Il y a une odeur. Ayoki moi solo moko boye eko bengaye. Je parle à quelqu'un. Azakolobana moto. Donne-moi amen. Amen. Parce que à 4 depuis 9 heures. Bongo. Enenele ya mwana na yo to benga po ya mwana anena ki depuis moi si on arrive dans ton champ to kesi kasiko to futa enenele ya mwana oyo na biloko ebele evan na kati na banzinzi poursuit danda bongo oyo ezali ya malamu victoire publique elonga ya Otonyo so ya libanda ya likolo. Toi, privé. Talisamine longa ya yomoko ya katina. Le succès à l'église. Et longa na katina l'église. Quand je parle du succès, c'est la manière dont tu es ici. Bien habillé.
propre. C'est un succès. Mais ça doit être pour ses prix. Sinon, dans le cadre de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est une balle. Au lieu que tu viennes attraper la bénédiction à l'église, tu viens attraper la malédiction parce que tu veux faire croire aux gens. Parce que n'oublie pas que ça, tout ça là, ça vient de l'homme. Orgueil, c'est ce que tu veux montrer aux gens que tu n'es pas. Dieu est les orgueilleux et les orgueilleuses. Et les orgueilleux et les orgueilleuses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quand je dis hériteront, là tu crois que le royaume, le paradis là-bas, c'est la gloire de Dieu ici sur terre qui est le royaume de Dieu. Tu vas avoir le succès humain, mais Dieu ne t'approuvera. Zamba quoi prouver yote ne voulait ni wana. La parole de Dieu, c'est une. Et cette semence-là. Cette semence-là a de l'impact public. Cette semence-là, ta récolte-là peut nourrir, ça peut nourrir plusieurs personnes. Mais il faut que tu souffres. Il y a des gens qui entretenaient les champs des autres. Les tomates, c'est pareil. Si tu veux réellement voir, va dans les jardins. Tu verras les moustiques. Afin que demain, qu'on achète tomates, s'il ne dort pas, ce champ-là et cette semence-là ne produira rien et elle-même n'aura pas l'excellence, nous aussi les bénéficiaires, nous n'aurons rien. Il faut savoir que ta vie est aussi attachée à la vie des autres. Ta propriété est attachée aux autres. Ta saleté aussi peut créer des problèmes aux autres. Amen. Parole simple. Je pense que c'est en train d'aider une personne. Donne-moi amen. Amen. J'ai dit la médiocrité vient de quoi? De la négligence. Enfant qui prend un sous-vêtement, qui fait chapeau. Dès l'enfance, il y a des choses que les enfants ne peuvent pas toucher. Et ça, voir.
peut voir son propre destin. Non, une femme médiocre. Elle ne travaille pas pour exceller. Elle travaille comme tout le monde. Quand elle veut, elle fait. Elle ne veut pas. Une femme qui poursuit l'excellence, une femme qui fait comme tout le monde et pas ça. Va faire plus. Et c'est que ça les sous-coléka. Femme qui fait des erreurs à part pour corriger. Ezali mwasi esengeli monaka mabetumba mbunga na ye pona ayeba kobongisa. Une femme médiocre mwasi oyo asalaka mabe koleka femme mwasi quand elle n'a pas envie de faire soki azana alate sort de sa oui. Alors qu'elle a et la fatigue liée au mensonge. Bongo, kolembane wana esangani na lokuta. Même si. Atao. Pan. Toki. Aye. Koloba pesa. Tengelo pesa. Yebite bo simbi pe bo soson. Ton mari, même si tu as travaillé. Bimba. Dieu a fait une femme sali si. Pour ça. Ona yango. Dieu n'oublie pas que. Toko ki ko sala biso ni somo sala la moko. Moi si. Azali na makasi musu ko e batela maki o nzambe aza ko batela pona yango. Par la grecque. Amen. On a nini. Un terre. Tout moment. Ah, le Japon. Et Zali, le tonneau moko ya motuya oye bate la kabo yukani ya makusa oye Zali. Natango nyo so yo mama soko lwakate na lembi. Apa lingo simba bwena lembi. Eba ete, akusawana. Aka mkoswana likolo. Le verset 33 dit. Ikapo ya tuku misato elobi. Un peu de ça. Mwa pongi muki. Pam. Mwa si. Plus de ça. Pongi mi. Un peu de. Mwa pongi muki. C'est la Bible, maman ne me regarde pas comme ça, c'est la Bible. Tu n'as pas de Bible. C'est la Bible, ya. La Bible était comme au camp où on m'a commis en gros. Et ça la caca. Lis. Je veux qu'une femme lise. Moi, si, pourquoi attendre? Oui. Proverbe combien? 24. 24, nous sommes maintenant au verset combien? 33, lisez. Un peu de sommeil. Hein? Un peu d'assouplissement. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Un peu d'assouplissement. Dans l'assouplissement, il y a quoi? Il y a l'attente. Ne parle pas comme ça. Papa. Tu veux descendre là parce que ton mari est là. Tu veux chercher un trou pour apparaître directement dans, pour sortir, pour aller sortir directement dans la chambre. Maintenant là, on dit quoi? Le biboy. Quand on prêche là, quand la Bible lui parle là, c'est ça qu'on le voit d'ailleurs. Et on va voir son mari.
C'est à toi qui est ici que la Bible parle. L'excellence ici, c'est aux femmes que Dieu cherche. Dieu cherche à faire apparaître ton excellence dès le départ de l'année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On a dit quoi? Que ton oui soit oui. Oui. Que les gens aussi t'acceptent. Mais le frère là, pour t'accepter, il faut que la femme soit préparée à être une excellente femme. Est-ce que quelqu'un dit ça me concerne? Au nom de Jésus. Continue la lecture. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Un peu de croiser les mains pour dormir. Hein? Et la un peu croiser. Un peu croiser les mains pour dormir. Ensuite, 34. Et la pauvreté. Si maintenant là, si tu croises les mains pour dormir, la pauvreté qui m'obola te surprendra. Le divorce te surprendra. Le rejet te surprendra. Tu cherches les erreurs chez les autres. Ton mari ne t'a jamais parlé des déçus. Mais ce sont les déçus qui l'ont découragé. Une femme qui vit dans un foyer, je ne parle pas de mari. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre ses habits, aller rentrer, créer un foyer pour moi. Est égal, il n'y a aucun souci. Quand je dis qu'il faut régulariser, ça veut dire que lorsqu'on traite les femmes mariées, on doit la traiter durement comme une femme mariée. Elle habite dans le foyer. Même si on ne t'a pas doté et que tu te trouves dans un foyer, tu dois respecter les mêmes règles. Parce que c'est ton foyer, tu dois le garder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, une femme doit nécessairement veiller à ce qu'elle parle à quelqu'un. Marié ou célibataire se prépare parce que au fur et à mesure on se même pour les petits enfants Dieu les rapproche aussi avec leur conjoint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ceux qui ne prennent pas soin de leur corps. Ce sont ceux qui ne prennent pas aussi leur vie. Parce que votre vie est liée à vous. C'est attaché. Donne-moi main. Et c'est ce genre de femmes-là qui font plus attention font pas attention à leur propre vie. L'excellence d'abord personnelle. Jean 8, 30. Dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Affranchir veut dire liberté.
Bien-aimé, lorsque nous cherchons la liberté, Satan veut nous retenir dans la prison de la saleté. La prison des querelles. La prison de la cigarette. Une femme ne prend pas la cigarette, ça dégoûte son mari. Une femme ne prend pas de l'alcool, ça dégage mal. La bouche d'une femme doit être propre. Même quand la bouche de son mari dégage, mais la bouche d'une femme, c'est ça qui garde le goût. Je parle à quelqu'un ici là. Amen. Je parle à une femme. La femme doit être propre partout. Toi, c'est seulement les tresses, les cheveux. Quand on te voit à l'extérieur, on pense que tu es une femme excellente. Mais dans ta chambre là-bas, dans ton foyer là-bas, c'est la saleté. Tes caleçons sont déchirés sales. Et c'est les mêmes caleçons que tu mets tous les jours. Les caleçons non nettoyés, mal nettoyés. Les caleçons qui ne sont pas repassés. Tu dégages mal. Et ça, ça décourage. Ça fait sortir le mari dehors. Voilà pourquoi ton mari est allé vers la voisine. Ce n'est pas parce que ton mari avait aimé la voisine. Ou bien ce n'est pas parce que ta voisine avait dragué ton mari. Ça commence par toi. Il faut être une femme excellente pour garder ce qui t'appartient. Ce qui est pour toi et pour toi. Ne laisse pas ça dehors. Ne mets pas la faute sur ton mari. Ne mets pas la faute sur ta voisine. Regarde-toi toi-même d'abord. Il y a des bases. Il y a des choses basiques qu'une femme doit regarder. Est-ce que ou bien n'a pas fait? Est-ce que tu es propre? Est-ce que tu te nettoies chaque soir? Est-ce que tu te nettoies chaque matin? Tu te laves comme deux fois? Même si tu ne veux pas te laver, mais nettoie ton truc. Simple. Amen. Ça coûte quoi? Acheter le citron, mettre dans l'eau, nettoyer ton truc. Ça coûte quoi? Citron, c'est 50 francs. Nettoie-toi, femme. Sois propre. Garde ton champ. Ton champ, c'est ton excellence. Ton champ, c'est ton élévation. Ton champ, c'est la victoire. Ton champ, c'est là où on peut te voir. On voit une femme dehors, on voit une femme dedans. On peut dire, ce que j'ai vu dehors, c'est celle qui est dedans. Donne-moi amen. Que ta femme intérieure, soit active. Donne-moi amen. Sois active. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. La vérité ici, solo awa, ce n'est pas à la voisine qu'il faut avoir. La vérité solo, affranchit chaque personne. C'est individuel. Vous connaîtrez la vérité telle que je te le dis ici. Ça doit t'affranchir individuellement. C'est pas vous tous. Non. Parce que lorsqu'on a commencé, la Bible nous a dit, écoute. L'écoute n'est pas pareil. La vérité aussi n'affranchit pas tout le monde. Je parle à quelqu'un. La vérité affranchit chacun de nous. L'affranchissement, c'est la liberté. Sois libre dans ton foyer. Sois libre dans tes pensées. Sois libre dans tes affaires. Au nom de Jésus. C'est ce que tu as dit. Ils allaient où ils sont. Ils allaient où Zaki Koluka. C'est. Qui va t'indiquer? Personne. Automoko t'a t'indiqué à moto. Même si on t'a fait une fois. Attends, ma mère qui est au Lili. Tu as accepté. On dit mi. Tu es allé là-bas. Ok, Kuna. Je passe.
Mais sois exceptionnel. Ne cherche pas à le changer. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de changer quelqu'un. Toi, change-toi toi-même. Fais-toi excellente dans la nourriture, dans les repas. Fais-toi excellente dans le. La maison, toi, tout ce que tu sais, c'est venir nettoyer l'église. Si tu ne sais pas nettoyer chez toi, je t'interdis de nettoyer l'église. L'église, ce n'est pas ta maison. C'est la maison de Dieu. Si tu ne fais pas, quelqu'un d'autre peut faire. Mais ta maison, il n'y a pas quelqu'un d'autre pour le faire. C'est à toi de nettoyer ta maison. Femme, là où tu habites, qu'importe le nombre de femmes, toi, tiens le balai chaque matin. Ça peut te payer un jour. Ça te mettra à l'aise quelque part. L'excellence se crée et se développe. C'est pas comment les gens apprécient. Regarde. S'il te plaît, corrige. Arrête d'accuser les gens. Et de blâmer les autres. La propriété ou la liberté personnelle. Faire ce que tout le monde fait. Plus. Même si c'est un... Viens chez toi. Tente. Pille. Qu'il y a un peu d'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais un... Vraiment. Tu sais que... Bébé. Une vie... qui est dans l'âme. Moimoko oye simba mina ma beko le katangonyo. C'est une vie qui est bornée. Tabo moi oye. Entre l'échec. Nakati na kokati. Non, entre le succès. Et telemina telonga. Et que départ. Ne bandeli. Ok, ne kolo longa. Bornée par l'échec. Temi bon. À chaque fois qu'elle sorte. Pambate tangoya za kokamwa. Elle a la. Une semaine. Parce qu'il y a la médiocrité est entrée par l'année. Même son commerce. Même au travail, il y a des problèmes. Parce qu'elle néglige tout. Et on croit que ce sont les autres qui sont la cause. Tu crois que c'est Marie qui est la cause. Ici, je te parle à toi. Son erreur, je connais. Mais s'il y a quelqu'un qui peut emmener la paix dans cette maison, c'est toi qui m'écoutes ici. Parce que ce que tu écoutes là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La parole de Dieu, c'était au commencement, et c'était avec Dieu, et c'était Dieu. Et tout a été créé par elle et pour
elle. Et c'est la parole créative. Ça peut créer un nouveau vent dans ta maison. Un nouveau vent dans ta famille. Un nouveau vent dans ton foyer. Une excellente vie. Donne-moi Amen. L'excellence vient des efforts personnels. À écouter et à recevoir la parole de Dieu. Votre réussite publique dépend essentiellement de la réussite de votre vie privée. Ça veut dire quoi? Votre vie privée affecte votre vie publique. Compte dans la modération ici. Tu mets le dernier habit que tu as déjà mis, que tu n'as jamais mis. Mais est-ce qu'à la maison là-bas? Est-ce que même sous l'habit là? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? La maison, qu'est-ce que tu as laissé? Est-ce que tu as nettoyé? Tu courais, oui, tu courais vers le programme. La femme n'est pas comme un homme. Elle doit d'abord s'occuper de la maison. Elle doit faire son programme avant de faire ce qui est à l'extérieur. Avant de se présenter à l'extérieur. Avant d'aller prêcher. La femme doit d'abord prêcher elle-même. Et après avoir prêché elle-même, c'est la propriété, c'est regarder qu'est-ce qui je m'en vais vers l'extérieur. Est-ce que je suis présentable d'abord? C'est pas je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis présentable d'abord? Que Dieu bénisse. Amen. Que bénisse. Amen, amen. Maman nga yo moto ye okwana lelo to mukona lelo. Tambe wana pamboli. Alors, ceux qui écrivent, prenez le dernier verset Romains 8 1. Va comprendre. Kuku ya ba Roma, mwana makapo ya suka o esengela kitota. Et donc si tu veux l'excellence, il y a deux sortes de marche. Soit tu veux tu marches selon la chair. Oya ndenge mbale ya kotambola soko lingi. Tu négliges la parole de Dieu. Où tu marches selon l'esprit, selon ce qui est prêché. Na oyo était yami. Tambe ya pambo.